2 août 2020. À cette époque, ma chaîne Razia l'Investigation n'existait pas et je ne pensais même pas en concevoir une. Et puis j'ai eu envie de partager avec vous mes expériences paranormales, qu'elles soient en collaboration avec d'autres enquêteurs ou avec ma propre équipe. Monsieur John Farrell de Zone Ghost, enquête paranormale, accompagné de Monsieur Cédric Laporte de Cédric Paranormal et Musique, me contacte et m'invite à faire une enquête avec eux, dans un lieu très particulier qui me laissera un souvenir inoubliable. C'est avec un immense plaisir que je vous partage cette enquête et cette investigation, le sanatorium. Est-ce qu'il enregistre? Tu vois s'il enregistre? Je pense qu'il est sur quoi. Ça enregistre. Ouais. Ça enregistre, super. Ouais, ouais. Eh ben, c'est parti les amis. Donc voilà, on est dans un sanatorium. J'ai avec moi Monsieur Cédric Laporte. Salut à tous. J'ai avec moi Monsieur Régis. Bonjour, c'est ta lumière. Ça me voit. Voilà. Il fait une chaleur bête. Voilà. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà, super. Salut Régis. Ça va bien. Cédric, je te fais un plan aussi. Voilà. Voilà. Comment tu vas? Tout va bien. Voilà, c'est chaud. On est sur les lieux. Alors, on se fait ça à l'arrache. Hein, petite ouais. Enquête sympatoche. Moi, j'étais venu le 8 septembre 2019. Et donc, comme je l'ai montré donc en live Facebook, j'étais venu tout seul. Et il y avait Cédric et Régis. Tout à l'heure, je leur ai montré. Le rush, le bandicam que j'avais capturé, où la porte numéro 14 s'ouvre toute seule en haut, voilà, sans courant d'air. Et donc on et va aller voir ça. Vous avez vos sacs, vous avez tout ça ou ah ouais, on est, c'est bon, on a tout sur nous, c'est bon. Ouais. Nickel. Au pire des cas, j'ai un pod aussi. Hein. Ouais. Ouais. Deuxième. Voilà. Il y a pas mal de débris par terre, donc il va falloir faire très attention à ça. Parce qu'on va interpeller, il va falloir vraiment s'arrêter. On est vraiment dans le noir. Ça reflète en là on a frappe total. Les deux côtés par terre, ça fait le débris, c'est chiant. Et là, coup. Je suis juste devant.
Là, j'ai entendu un son. Bon, après, on change de lieu. Hein. Ça sent bien le brûlé. C'est très bien noir. Hein. Et ça sent même un peu le brûlé, je trouve. Encore un peu. Hein. Donc, il est à peu près en gros. Est immense, donc c'est vraiment de l'exploration urbex, urbex para de nocturne. Bonsoir. Voilà. Bonsoir aux invités du lieu. Bonsoir. C'est quoi ça? C'est moi, c'est moi. C'est toi, d'accord. Alors, il faut faire très attention. On attend, j'ai entendu comme une femme. Oui, moi aussi. Ouais. T'as entendu? Oui, je l'ai entendu. J'ai pas entendu. Ouais, c'est normal, c'est Rick. T'as pas le casque. Ouais, ouais. J'ai l'oubli très fine, moi. Et c'est pas toi? Non. On l'a entendu de loin. T'as pas le casque? Non. Je l'ai entendu. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je m'appelle John Farrell. Je m'appelle Cédric Laporte. Je m'appelle Régis. Voilà. Voilà, donc je suis avec Cédric et Régis. On est enquêteurs du paranormal. Désolé, j'ai la latence, je vais faire ça. Voilà. On est enquêteurs du paranormal. On est venu pour vous voir. On n'est pas là pour vous faire du mal ni vous embêter. Moi, je suis déjà venu ici, le 8 septembre 2019. Et vous avez été très gentil. C'est votre fin bruyant. Désolé pour le bruit. Bah, j'espère que vous avez été aussi gentil avec moi et avec Régis. En tout cas, on ne vous veut aucun mal. On veut un contact voilà, avec vous pour montrer aux gens que du monde de la musique, de peut-être. C'est tout ce que nous cherchons dans ces lieux abandonnés. Donc on va vous poser des questions. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des fois, tu sais, avec la froide. La latence, la froide. Non, avec la froide, t'as de séparer une olie des fois. Oui, oui. Des fois, t'as l'impression qu'il y a des ombres. Voilà, je disais qu'on va vous poser des questions, mais on va aussi vous laisser beaucoup de temps pour répondre parce que je sais que John, qui est venu la dernière fois, est quelqu'un qui laisse beaucoup de temps, plus que moi, par exemple, ou d'autres enquêteurs. Mais vous aurez la même façon de vous répondre. On a tout notre temps, vous avez tout votre temps. Et on veut des réponses claires. Bien, je te laisse gérer les questions, je te laisse gérer le temps aussi. Maintenant, j'ai arrêté de parler, on va laisser John mener le... Là, je vais mettre un peu de lumière pour qu'on voilà. On va laisser gérer le temps de réponse, tout ça. Donc, nous, on ne parle plus pour Régis. Non. On va monter à un étage.
C'est pas ma chaussure, non. C'est pour ça que j'entends. Non, j'ai entendu aussi. Les gars, c'est pas grave. Je préfère dire si c'est. Ouais, t'inquiète. Parce que. Ici qu'il y a une équipe qui est venue faire de la Ouija, ils sont mis des trucs, alors bon, s'ils ont pas fait que... Je sais pas. En tout cas... Je sais que la Ouija, c'est pas mon domaine. Pour des histoires de discrétion aussi.
Mais n'hésitez pas, nous n'avons pas peur, montrez votre présence. Un bruit assez aigu. Je pense que c'est le mélange. C'est tes chaussures. Ouais, ouais. Je suis obligé de pas faire claquer une porte, par exemple, une fenêtre. Si je fais un bruit, je te le dis, comme ça. Et par timidité, vous pouvez le faire pas forcément proche de nous. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, nous n'allons pas vous chasser. On n'est pas là pour purifier le lieu, on est là vraiment, vous êtes chez vous et on est venu chez vous pour reprendre contact avec vous. Voilà. En plus, c'est un lieu, c'est un sanatorium. Donc, à mon avis, les entités, elles vont avoir pas mal. Beaucoup de gens sont morts ici. Les gens qui ne savent pas, le sanatorium, c'est dans ce lien tuberculose. Donc, des gens sont forcément décédés en grande dépression. Donc, manifestez-vous. Et je me tais. C'est moi, désolé. Là, ça, tes chaussures, ils font des bruits. C'est pas grave. Un peu moins que c'est toi, c'est pas grave. Les gars, attention. Vous voyez, regardez. Ouais. Là-haut, il n'y a pas de porte du tout. Là, ça va. Mais là-haut, il n'y a pas de porte. Ouais. Il y a un étage où. Mais c'est pas moi qui vais là-dedans. Hein. Je fais les tout de suite. Hein. C'est moi qui vais là-dedans. Hein. Non, c'est la cage d'ascenseur. Non, je sais. Qui t'arrive ? Qui c'est qui a fait ça ? Qui c'est qui a fait quoi ? La croix satanique. Ah oui, ouais. Mais ça, bon, pas très marrant. Hein. Moi, j'étais venu le 8 septembre dernier. Avec nous, je suis avec Cédric et Régis. Et je vais vous demander de hurler le plus fort possible. On est venu vous faire un petit coucou. Vous tenir compagnie un petit peu au cours de la nuit.
Bonsoir. 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 Je m'appelle John, je suis venu le 8 septembre 2019. La porte est là. Et quand je suis venu, vous avez ouvert la porte, là, numéro 14. Voilà. Alors, je mets un petit peu de lumière parce que le sol là-bas, si on se met bien à droite, ouais, c'est pas le problème. D'accord. Donc là, cette fois-ci, je suis venu avec une caméra, des micros pour vous entendre. Voilà. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, crier le plus fort possible? Vous vous rappelez de moi? Attention, Michel, t'es pas seul là. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, tu vois, il y a un courant d'air. On est d'accord. Là, il y a un courant d'air. Bon, ici, ici. Ouais. Mais là. Là, voilà la porte. Tu vois? Oui. Là, regarde. D'accord. Oh, là, ça peut pas se faire. T'entends le bruit? Non, c'est pas possible. Ça, forcément. Porte numéro 14. Voilà. C'est quoi, t'as vu le bruit? Ça, forcément, en plus. Ça force, quoi, au sol, donc ça peut pas s'ouvrir. Non. Oui. Ah oui. Elle était comme ça. Ah oui. Et on est d'accord? Ouais. Alors, t'en es bien sur mon live? Oui, oui, oui. D'accord? Pas de bruit. On va la refermer. Là, tu l'entends à 50 mètres, quoi. On va se remettre là-bas. On va se remettre là-bas. Attention. Ce que je ferais bien, c'est que je mettrais bien un plug. Un job. Ouais. Je mettrais bien un pod. Ouais. Parce que si ça, s'il y a une entité qui est ici, elle va passer, on pourra se faire prendre. Regarde. Ah, je coupe. Bon, je vais mettre un pod là. Ah, mince. Je continue à filmer, mais je mets un pod là. Erreur de manip. C'est
C'est-à-dire que ça fait quoi? Non, c'est juste, j'ai arrêté l'enregistrement. Non, voilà. Personne n'y a rien. Voilà, donc enregistrement numéro 2 pour la caméra. Donc synchronisation. Ah, je suis content. Parce que vous avez vu que j'étais pas un menteur. Oui, nous on doute pas. Dans ce milieu-là, tu vois. Non, non, mais nous on n'a pas de doute, on te connaît. Je te connais. Bah oui. Non, bon, bien. Nous on est là pour des parents, on n'est pas là pour du fait. C'est clair. Mais t'as vu? T'as vu le bruit? Ah oui, là ça force à fond. Quoi. Et sur la vidéo? On n'entend rien, alors c'est pas possible, parce qu'on l'entendrait d'ici. Voilà, donc ce que j'ai fait, 3-0. Vas-y, donc là, Cédric va installer un pod. Vas-y, mon 3-0. Voilà, donc je viens d'installer un pod à l'instant. Tu peux pas le mettre devant la porte 14? Ah bah c'est comme tu veux, hein. Plutôt, hein. On peut le prendre par là. Non, il faut le prendre par le bas. Voilà, donc en fait, je vous explique. Cet appareil, c'est un appareil qui permet de détecter. Détecter les entités en passant à côté de l'antenne. Selon des théories, donc, vous avez un champ magnétique et ça va vous faire déclencher le pod. Donc, si vous rapprochez de l'appareil, qui est près de la porte, et ben ça va le déclencher. On va savoir que c'est vous. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et si vous pouvez. En même temps ouvrir la porte, ça serait la meilleure des choses, et puis faire un bruit. Ah, attention, parce que c'est un pigeon qui est juste. Ouais. C'est rien, c'est un pigeon qui est juste là. J'étais surpris. C'est vrai, je pensais que je l'ai vu. Je l'ai vu. Okay. Ça m'est arrivé aussi, ça, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai. Je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai prévenu avant. Après, n'hésitez pas. Là, c'est un pigeon qui nous a fait peur. Oui. Mais vous ne faites pas peur. Donc allez-y, rapprochez-vous, parce qu'on va être prévenu, on le sait. Hein. Voilà. Là, on a été surpris. Mais là, rapprochez-vous du pod. C'est vrai que j'entends des voix. Des réponses. Allez, rapprochez-vous du pod. C'est quoi ça? D'accord. C'est pas le choc. Ouais. Chut, faut plus bouger là. Ouais. Allez-y. Si vous êtes là, on est devant vous. Allez, ouvrez la porte, comme vous l'avez fait. Une fois. Je l'entends. J'entends quelque chose. J'entends des réponses. Vous vous rappelez de moi ? Je venais vous dire merci, en fait. Allez-y, ouvrez la porte, comme vous l'avez fait. Poussez-la, allez-y. S'il y a quelqu'un ici, criez le plus fort possible. Est-ce que vous êtes décédé ici ?
D'accord. On l'entend bien. PVE à vérifier. Je te donne un peu. Ouais. Éloigne-toi un petit peu de la porte. Une apparition. Bon, bah, si vous êtes là, allez-y. Bougez une porte, faites un bruit. Ah, oui. C'est bon ? C'est bon. Parti. Allez, s'il y a quelqu'un avec nous, faites un bruit. Bougez une porte. Même devant nous. Je m'appelle John, je suis avec Cédric et Régis. C'est toi qui a raclé, le Régis ? Non, c'est moi. C'est moi. Avec mon nez. C'est quoi ça ? Encore un chien ? Ouais. Je sais pas. J'ai entendu un. Comme ça. Ça, c'est moi. Ah, mais c'est peut-être ça, mais c'est peut-être le seul. Hein. C'est peut-être le seul. Ou c'est bizarre, ou ici. Hein. Oh, la vache. Il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un ici avec nous, allez, bougez une porte, criez, criez le plus fort possible. Donnez votre prénom. Si vous êtes mort ici, donnez votre prénom. Qu'on puisse communiquer. Quelqu'un ? Le même style.
Est-ce qu'il y a une dame ici avec nous? Est-ce qu'il y a une femme? Chauve-souris. Ouais. Est-ce qu'il y a un homme? Donner un coup parce que c'est la meilleure chose pour vous faire entendre. Un bon coup bien net et puissant. J'ai entendu une voix. T'as entendu une voix? J'ai entendu comme une voix, ouais. Oui, vous êtes là? J'ai entendu une voix, là. Et là, j'ai raclé ma chaussure. J'ai entendu un homme. Ouais, c'est un homme, ouais. J'ai entendu « je suis là ». Ouais. Et là, si vous êtes là, donnez un coup. Allez-y, donnez un coup. Ça a craqué un peu, mais c'est déjà le tour. Hein. Un coup plus net. Ça, c'est moi. Tu sais quoi, ça? C'est moi. Oh putain, c'est bon, je sais. J'ai quand même une super voix là. Ah, ouais, ouais. On va rebrousser chemin, on va repartir par là. Et après on va descendre, on va faire les caves. Ok. On va faire les caves. Alors, s'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas à vous manifester. Tapez dans un mur. Criez le plus fort possible. J'ai entendu une voix tout à l'heure. Vous pouvez apparaître. Comme il n'y a pas beaucoup de poussière, essayez d'apparaître en faisant ce qu'on appelle nous des orbes. Je n'y crois pas trop. Vu qu'il n'y a quasiment pas de poussière, moi j'ai pas vu d'apparition par des chauves-souris. Si vous êtes capable de faire ça comme ça aussi, en boule d'énergie, n'hésitez pas. Moi j'y crois pas trop, mais si vous voulez le faire, faites-le. Ah oui, il y a une grosse porte. Donc n'hésitez pas, on a un infrarouge et on vous verra plus facilement peut-être comme ça. Une grosse boule lumineuse par exemple. Il y a un amortisseur. Ouais, attention. C'est normal. C'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est la porte qui se referme, c'est normal. Bon, je vais être un peu plus virulent quand même. Ouais, parce que c'est léger, non? D'accord. Ouais. Bon, j'étais venu le 8 septembre 2019, vous avez ouvert des portes, d'accord? Vous étiez là, vous avez joué avec moi. Vous me faisiez peur. Hein? Dans les pièces. Quand je suis là, je suis venu vous revoir. Et on aimerait vous entendre. S'il vous plaît. On
Nous, on n'est pas venu brûler les dieux. Hein. C'est toi? Monsieur, ah, c'est moi. Monsieur, parce que ça faisait long derrière, hein, pardon. Oui, ça faisait long derrière aussi, une planche. Nous, on n'est pas venu brûler les lieux. On respecte. Tout casque, John vous entend mieux parce qu'il a un casque. Mais nous, on vous entend pas bien. C'est moi. D'accord. Je viens jeter un caillou sur le sol. Il y a des cailloux par terre, un peu partout. C'est un gros coup là. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Non. Il y a un coup très souvent. Hein. Ouais. Un coup lourd. Oui. Tu l'as entendu que je vais. Hein? C'est ici dans cette pièce que j'ai entendu. Moi j'avais passé la porte. C'est ici dans cette pièce que j'ai entendu marcher. Un truc bizarre. D'accord. Juste à côté de moi. Là, on vient m'entendre un coup. Moi, j'entends un coup sourd. Apparemment, c'est pas la personne derrière moi. Donc, bah, si c'est vous, merci beaucoup. Je vais essayer de vous rapprocher un peu en termes de coups, de faire des trucs un peu plus près de vous. On ne vous veut aucun. Je suis quand même étonné que dans un lieu pareil, il n'y ait vraiment aucune entité qui veuille rentrer en contact avec nous. Franchement. Hein. Ouais, j'ai entendu. Hein. Ouais, j'ai entendu. Je pense qu'il... C'est toi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai entendu un vérifier, mais j'ai entendu un. Ouais, j'ai entendu un vérifier. Ouais. Alors, peut-être que c'est vous, merci. Là. Je vous ai entendu. Donc, n'hésitez pas à vous manifester plus clairement encore. Là, je suis de l'autre côté. Si vous êtes là, allez-y, ouvrez la porte numéro 14. Poussez-la. Poussez la porte. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On est venu pour vous. On est là en ami. S'il y a une personne qui est décédée ici, s'il vous plaît, manifestez-vous. Quand je suis venu derrière moi, il n'y avait pas de courant d'air, comme ça. Ouvrez la porte devant nous, là, 14, poussez-la. Là, je vous le demande. La dernière fois, je ne vous l'ai pas demandé. Vous voulez bien nous dire quelque chose? Allô? N'hésitez pas. Un coup puissant, ouvrez la porte. Ou un coup sur la porte.
Voilà, j'éteins la lumière. Vous pouvez y aller. Allez, poussez la porte. Vous êtes timide? Oh la vache, j'ai eu un changement. J'ai un courant d'air frais là. Oui. Et moi, je suis dans un courant d'air. Là, j'ai eu un changement de. Changement de température. Ouais. Flagrant. Vous êtes là? Vous êtes arrivé, c'est ça? Ah mais moi je tourne avec ma bulle, hein. Comme ça, regarde. C'est peut-être ça, t'as vu? Ah, peut-être, ouais. Ouais, ouais, forcément. Ouais. Je sais, putain, j'ai eu un changement d'image. Allez, si vous êtes là, allez-y, poussez la porte 14. Vous tapez dedans. Faites un gros bruit. S'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est toi? Si, attendez, faites un cours. Allez, si vous ouvrez la porte, on saura si on vous dérange. Ouvrez la porte. Si vous ouvrez la porte, on saura qu'on vous dérange. S'il vous plaît. Allez, poussez la porte. Allez, 3, 2, 1. Allez, poussez la porte. Putain, mais c'est dingue. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors, le 8 septembre? Je sais pas. Mais c'est dingue. Peut-être le fait que tu sois seul. Mais c'est ouf quand même. Bah ouais. Oui, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Hein. Parce que là, ça souffle pas. Ça bouge pas, puis il n'y a pas de temps. C'était comme ça, quoi. Ouais, ouais. Cochonné. Ouais. Attends, bouge pas. Bougez pas, restez sur place. Et vous me dites si ça fait du bruit. Ah bah oui. Oui, oui. Ah ouais, il est bon, il est bien en dessous. On l'entend. Hein? On l'entend, ça. Alors, encore pire. En fait, on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à refaire la même chose. Comme ça, elle s'est au moins ouvert comme ça. Oui. Au moins comme ça. Vous n'avez pas entendu là? Le gros coup qu'il y a eu? J'ai entendu un boom, ouais. Oh putain, il y a eu un coup de merde là. Mais un truc lourd, tu sais. Un coup très lourd. C'est pas la porte? Non. Je pense pas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? C'est en train de se réveiller là. Vous entendez un coup puissant? T'as entendu? Coup puissant. Ah bah oui. Vous pouvez refaire ce coup puissant là que je viens d'entendre, vous. C'était énorme le coup là. Ouais, ça fait vraiment un gros truc qui tombe au sol, quoi. Là c'est moi. Non, c'est pas moi. Ouais, t'as vu, c'est fait du bruit, je la pousse, je la pousse. Ah oui, tu vois. Voilà, tu vois, je la lâche là. Ah, ça y est, tu vois. Ah, c'est moi. Tu vois, je l'entends. Oui, mais c'était pas ça qu'on entend. Non, c'est pas ça que t'entends. Ah non, c'est pas ça. Loin. C'était un coup puissant, mais bon. C'était loin et lourd, tu sais, comme ça. Ouais, c'était un coup très lourd. D'accord. Hein. Ok. Là, c'est le chien. Bon, ben, on va quitter les lieux. Hein. En tout cas, merci. Voilà. Apparemment, peut-être que vous commencez à nous donner des contacts plus précis. Là, la porte s'est rouverte, hein, quand même. Ouais, c'est normal. Bon, c'est parce qu'en fait, elle tombe, tu vois. Ouais. Par contre, il y a un truc qu'on a vérifié, c'est que tout à l'heure, j'avais dit qu'il pouvait l'ouvrir pendant qu'on n'était pas là. Donc, je ne sais pas avant qu'on revienne si elle était dans le même état. Hein. Non, elle était fermée. Elle était fermée. Bon, ouais. Donc là, elle peut bouger. Par contre, il me reste 30 minutes de caméra. Ce qui est normal, puisque je filme depuis une heure. Ça va bien, avec ça. Ah, c'est bon. Alors, n'hésitez pas à vous faire prendre de l'énergie.
vous savez faire. Dans votre lieu, vous m'avez pompé une heure de batterie dès les premières minutes. Ah non, je les interdis. Je l'ai envie de casser un petit peu. Donc allez-y, manifestez-vous. Vous semblez vous réveiller un petit peu. Vous voyez, vous n'êtes pas méchant. Vous avez des coups dans les murs, dans les parties en bois. Faites-nous savoir que vous êtes là, des voix. Voire même une apparition, ça paraît con, hein, mais il y a des gens qui ont des apparitions dans leur enquête. Pourquoi pas nous? Oui. Ils sont des petites filles. Ah, mais c'est vrai, hein. Les gars, des cheveux. C'est moi. Donc n'hésitez pas à apparaître sous forme de boule d'énergie, ou même d'une apparition plus franche. Devant, c'est un jeu de lumière qui fait ça. Hein. Ouais. Peu métallique, enfin sur plastique ou métal, je sais pas, ça fait un boum comme ça. C'est ça, c'est la luce. N'hésitez pas à vous manifester dans les escaliers, des fois vous adorez vous manifester. Est-ce que vous êtes décédé ici, dans ce sanatorium? Si oui, faites-le nous savoir. C'est le jeune hein, qui ouvre la porte. Merci. Ouais. Faites-le nous savoir de manière claire et nette. Voix, coup. Ouais, on est en train de bouger. Donc, ouais, ça va bouger totalement. C'est quoi ça? C'est toi? Ouais, ça fait du bruit, c'est la porte. Ouais, on est en train de bouger. C'est la porte, ouais. Donc, faites-le nous savoir de manière précise, là, si c'est vous. Allez-y, allez-y, donnez un coup puissant comme vous savez les faire. Apparemment, c'est ce que vous faites le mieux là. Parce qu'au moins, c'est loin et ça, le bruit est détaché de ce qu'on fait. Ah, c'est allez. Super calme. Ouais. Mais bon. Dans l'ensemble, vous voyez quelques petits trucs, mais pour aller comme ça, je serais quand même déçu de ne pas avoir des trucs un peu plus puissants quand même. Hein. C'est déjà bien.
C'est toi qui as tapé ? Je ne pense pas. Hein ? Je ne pense pas, non. T'as entendu un bruit, là ? Ça fait un boom. Ça fait un boom, hein. J'entends pas les booms, je parle de... Ah, j'ai encore entendu un boom, là. J'ai entendu un son de... Là, c'est pas ça. C'est plus loin, pour ça. Là, il y a un bruit aussi, hein. J'entends plus le bruit, moi. Après, il ne dit rien. Avec les films, je viens d'entendre un bruit. Ça fait un rectangle. C'est une croyance. Ça, c'est des trucs de caméra. Ça peut, quand il y a un visage, là, ça vient de le faire sur le jeune, mais c'est normal. Mais sur une partie où il n'y a pas de visage, ça serait bien, vous pouvez pousser, vous manifester comme ça. Alors, allez-y. Cette partie est plus glauque, je sais pas pourquoi. Oui. C'est chouette ici. C'est une histoire d'architecture, ça. Peut-être. Les fenêtres. Mais ça fait une ambiance plus triste. Ouais. Une heure et quart pour entrer en communication avec vous. Alors, il y a quelques petits trucs, hein. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Mais on aimerait bien, là, comme on dit, monter un peu de niveau. Vous voyez qu'on n'est là pas là pour casser. Donc essayez vraiment de faire des coups puissants, des choses plus nettes, plus claires, pour montrer votre présence. Dans ce lieu, c'est obligé qu'il y ait des invisibles. C'est obligé qu'il y ait un monde de l'invisible. C'est obligé. Il y a beaucoup d'essais ici. Donc il y a trop d'énergie accumulée dans ces murs. Donc faites-nous savoir que vous êtes là. N'ayez pas peur, nous sommes là pour ça. Et vous êtes chez vous. C'est quoi ? Il y a un petit bruit, mais bon, je pense que c'est un mur. Passez-moi là. Ouais, fais attention. Ça, c'est bon. Une bonne odeur de moisir, un légère. De bois moisir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est obligé que vous soyez là. Il y a tellement eu de personnes décédées. C'est vrai que
ça arrive. Là, on a entendu. Derrière nous. Surtout si vous êtes une personne qui est décédée ici, mais si même vous êtes une entité de passage, c'est pas grave. Faites-nous savoir que vous êtes là. On va utiliser après un appareil hein, qu'on appelle le Spirit Box, mais voilà. Nous arpentons pour le moment le lieu. Féminin, c'était marrant, bizarre. Ok, c'était marrant. Oh, c'est quel dommage. On est revenu, on est au premier, on va descendre au rez-de-chaussée. D'accord. T'as vu la taille du couloir. Super piège d'ascenseur. Hein. Bien une jolie, la salle de charge. Je te laisse passer, merci. Je vais fermer la marche. C'est un propre sang de ton cou qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, ça mais résonne. Mais non. Tu vois c'est ça. Que ça. Si quelqu'un a marché dans cet escalier en fait. En fait, c'était vous tout à l'heure, moi j'ai marché ici. Apparemment, il y a des. Là, je vais vérifier sur internet, mais ça sera abandonné depuis 92 ans. Je sais pas, faut regarder. J'essaierai de regarder ça hein, tout à l'heure. Ou 98, je sais plus, mais en tout cas, ça fait longtemps. Alors, on va retourner à un endroit où la porte va bouger aussi. Allez, on fait un test.